Il est 10h, en plein cœur d'Abobo PK18. Fatoumata est à la tâche. Au milieu des bouteilles d'eau et autres sachets plastiques, elle trie et récupère ses objets, aidée par sa fille et sa sœur. Une activité sur laquelle Fatoumata s'appuie pour faire face aux charges quotidiennes. Ce que quand il a besoin, c'est 1 franc, je peux donner. Il y a tout ça là-dedans. C'est à cause de ça que je fais ça là. De son côté, son époux assure le suivi de l'éducation de leurs enfants. Quand il n'y a pas moi 10 000 francs là, je viens, c'est quel trou, on met ensemble, puis on, les enfants mangent et tout. Là, je dépense en premier. Elle dépense en premier. Lui, il est le C1. Lui, il est le C1. Bon, le plat, lui, il a son BPC. Il n'a pas encore eu de travail. L'activité de recyclage du plastique, qu'elle fait, beaucoup de femmes refuseraient de le faire. Elle n'a jamais fait de bon. Mais elle mise pour la réussite des siens. C'est une femme battante, une femme qui sait ce qu'elle veut. Comme Fatoumata, des milliers de femmes doivent endosser la totale responsabilité du foyer, le tout en exerçant des métiers allant souvent au-delà de leurs forces pour assurer un lendemain meilleur à leurs enfants.